Buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos por fin a un nuevo videazo del Código Lyoko Fronteras Virtuales. Y es que hoy chicos, iros poniendo cómodos y cómodas porque hoy os traigo el primer extracto importante del capítulo 2 y vamos a recordar cómo hemos conocido al nuevo villano, que es más antiguo que Sana, es del mismo estilo, es como un virus informático, pero más potente, más antiguo y con más experiencia, y va a ser la leche. La única referencia que he podido pillar es de la película del gato con botas, El último deseo, Lican. A mí me flipó este personaje. Al igual que Sana, no tiene un cuerpo físico. Así que nada, antes de nada, vamos a repasar el horario semanal. Y es que aparte de este videazo, vais a tener una noticia en TikTok de Sendokai. Vamos a tener mejores momentos del capítulo 5 del modo historia del IFSCL, que por cierto, el viernes voy a traeros en mejores momentos un vídeo más completo en YouTube. Y el día anterior, el jueves, vais a tener pues un vídeo muy cortito de también este capítulo con lo mejorcito. Tengo muchas ganas de ver el nuevo capítulo de la historia del IFSCL porque tiene muy buena pinta, con Kiwi en la portada. Y por último, el fin de semana chicos, temporada 3 de Código Lyoko, 5 horas. Si te acabas de dar cuenta de que se está haciendo una maratón de Código Lyoko, es tu momento de ver junto a nosotros en modo estreno todos los episodios. Y este sábado a las 7, a las 5 en punto hora española, 5 horas, temporada 3. Dicho esto, me gustaría felicitar a cuatro grandes suscriptores como son Nuri14, Link, Paul Gamer, una leyenda del canal, muchos años aquí a tope, Mary J. González y Jaco / Crazy. Crazy cumplió años el pasado domingo 21, Nuri14, Link el pasado sábado 20 y Paul Gamer y Mary J. González justo hoy. Muchísimas felicidades a todos, espero que lo vayáis a pasar muy bien en vuestros días. Paul, tío, no me olvido de ti y tampoco de ti, Nuri. Dicho esto, espero que os guste el vídeo de hoy. Si es así, a reventar fuertemente el botón de likes, todo dar vuestros penes en la cajita de los comentarios. Tengo que ver cómo puedo hacer las intros un pelín más cortas. Dentro vídeo. Un signal émis depuis les limites du réseau. Ce serait lié à Hopit ? J'en ai de gros doutes. Pour tout vous dire, ce signal n'a ni IP ni signature numérique. Pourtant, Lyoko arrive à en capter son émission. Si je comprends bien, tu nous as fait venir car tu voudrais qu'on aille voir de plus près. C'est ça, en effet. L'idée est que vous alliez dans la zone, que vous fassiez le tour du signal avant de revenir. Il est situé dans les profondeurs du réseau. Les profondeurs du réseau ? C'est vrai, à l'époque, vous n'avez jamais eu besoin d'aller aussi loin. Le signal se trouve dans une strate en dessous du Deep Web. Donc le réseau posséderait une fin ? Quand on plonge dans les profondeurs, oui. Une sorte de frontière virtuelle dans le réseau. Tu pourrais me transmettre une image ? En tout cas, nous sommes assez proches du signal. Et ce qu'on voit est... comment dire ? Étrange. Dans cet immense mur, il y a comme une superstructure en forme de losange qui s'étend sur des kilomètres. Et elle émet des lumières blanches ici et là, comme si c'était allumé. C'était quoi ça ? On se fait tirer dessus ! Jérémy, on est attaqué ! D'après les données ainsi que le sonar, c'est une sorte de bâton. Oh, t'as vu son identification ? Oui. Oh, Pete. Je n'arrive pas. Bon, j'ai mis à jour l'armement du skid. Vous devriez pouvoir répliquer. Quelqu'un peut arrêter cette alarme ? J'essaye. Les commandes sont HS. Jérémy, tu m'entends ? Tu me reçois ? On a un gros problème ici. Jérémy, je t'en prie, réponds-moi. Jérémy ! Pourquoi il ne répond pas ? Le contact est brouillé, j'ai l'impression. Blague. Ulrich, du calme. On est bloqué dans le réseau dans une zone inconnue, avec au plus aux fesses, sans moyen de contacter Jérémy. Et il faudrait que je me calme. Regardez, là-bas. C'est le vaisseau d'Hopit qui nous a attaqués. Pourquoi ils n'avancent pas plus ? C'est comme s'ils avaient peur. Peur de quoi ? Le brouillage, je pense. Si cet endroit ne leur appartient pas, eux aussi doivent être affectés en se rendant dans la zone. Et comme ils sont contrôlés à distance... Ils ne peuvent pas avancer plus. Au risque d'être déconnectés du contrôle d'Hopit ? Ce serait l'explication la plus logique. Vous êtes arrivés à destination, à ce que je vois. D'après les informations, ils étaient à proximité de la frontière virtuelle quand un de nos cuirassés les a pris en chasse.
Ils ont décidé de se réfugier dans la cavité du losange. Je ne pensais pas qu'on en appellerait à vous directement, mais ce genre de cas nous force la main. Je comprends parfaitement, Docteur Sutter. Préparez le câble. Nous allons à présent débarquer. Je rêve. Quoi? J'arrive pas à croire ce que je suis en train de lire. C'est complètement irréel. Cette mégastructure est là depuis très longtemps, visiblement. Elle a gardé des empreintes de vieilles données datant de 1989. Ce sont des relevés, des analyses. C'est clairement une étude. Une étude de quoi? Et par qui? Ce n'est pas Euclide, ça. C'est certain. Ah, parfait. Quoi? J'ai désactivé le verrou qui a chiffré le skid à notre arrivée. Maintenant, on va pouvoir repartir. Attendez, c'est quoi ce truc? On dirait une sorte de câble. Alita, qu'est-ce que tu fais? Ce câble émet des données. C'est-à-dire? Il vient du réseau, j'ai l'impression. Comme une sorte de transmetteur. C'est pas vrai. Un loup? Plusieurs même, on ne devrait pas rester là. Ouais, il ne bouge plus. Les câbles servent de transmetteur aux monstres d'Oplite. C'est comme ça qu'ils contournent le brouillage opérant dans le losange. Je vois. Si tel est le cas. Tu parles à un comité d'accueil. On a eu de la chance. Restons sur nos gardes. Maintenant qu'on sait qu'Oplite a trouvé un moyen de nous atteindre. Bonsoir, messieurs dames. Ils ont un monstre qui parle. Je n'en sais rien du tout, Ulrich. Bon, l'homme loup, là, vous nous gênez. Vous pourriez avoir l'obligation de dégager le passage. J'ai l'usage de saluer son adversaire avant un combat, mon jeune. Non, je ne pense pas que ce soit un monstre. Peut-être qu'Oplite a développé des monstres doués de parole, j'en sais rien. Va savoir avec ce type. Non. Il y a quelque chose dans son regard que j'ai déjà vu, il y a très longtemps. Enfin, je crois. De quoi tu parles, Alita? Ça va? C'est en vous qui êtes derrière la destruction de Xana. Oh, alors comme ça, vous connaissiez Xana? Xana a utilisé des supercalculateurs partout à travers le réseau il y a cela 16 ans. Accumulant une puissance assez admirable qui, à l'époque, aurait pu dangereusement se rapprocher de la mienne. Imagine la surprise quand, dans les données que les maîtres nous ont dérobées il y a 3 mois, j'y ai noté la présence du programme multi-agent que vous aviez utilisé pour l'anéantir. Un travail propre qui vous fait clairement honneur. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est impossible. Ce n'est pas un monstre d'Oplite. C'était... C'est une intelligence artificielle, comme Xana. Quoi? Allons, allons, du calme. Je trouve ce terme particulièrement offensant, Aïda. Je préférerais davantage la nomination de... Lycan. J'y tiens. D'ailleurs, tant qu'on parle de toi, une fois que j'aurai éliminé ces deux protozoaires qui te tournent autour, tu viendras à moi. Alors là, il en est hors de question. Tu es confuse, Aïta. Ce n'était en aucun cas une proposition. Moi, je te propose un truc. Plaît-il? Aïta, maintenant! J'en pars! Oh non! Le câble! Ah! Sale garce! Super Smoke! Lui aussi, sa présence dépendait du câble. Vu que c'est une IA, il ne peut pas se permettre d'être déconnecté de là où il puise sa source. Au moins, il nous faudra la paix à un bon moment. Là, on devrait vraiment y aller.
Aïta, je me souviens encore de ce jour, un Noël comme l'humanité les a longtemps. Je n'ai jamais su le nom de ce petit bonhomme de neige que tu façonnais ce jour-là. À qui parlez-vous ? À personne. Je réfléchissais à voix haute. Docteur Sutter. Ce n'est pas normal, Sam. C'est contraire à votre programmation. Se parler à soi-même est quelque chose d'irrationnel. Plus que de m'envoyer sur le losange sans prendre le temps de loger nos adversaires. J'ose imaginer que ma prochaine mission sera mûrement réfléchie, cette fois. Attendez une minute. Terminé. Je vous en prie, ne me regardez pas comme si j'étais un virus vert. Je n'ai aucune intention de le laisser pas labeurer pendant des heures à m'expliquer sa logique imbécile. J'ai bien mieux à faire. Bon. Faites voile sur Carthage! They told me that I was no good at all. Such a waster. And suddenly I was out of the cool. Stuck with the fools, not...